Louis-Antoine de Bougainville, en 1771, après son tour du monde, faisait part d'une constatation qui reste bien contemporaine dans beaucoup de domaines. Je cite « Je suis voyageur et marin, c'est-à-dire un menteur et un imbécile, aux yeux de la classe d'écrivains paresseux et superbes qui, dans l'ombre de leur cabinet, philosophent à perte de vue sur le monde et ses habitants et soumettent impérieusement la nature à leur imagination. » On va laisser la parole maintenant à un voyageur qui écrit aussi de temps en temps. Frédéric Potts. Bonjour, merci beaucoup. Donc je suis très très content d'être là aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a 3 ans en arrière, on avait passé 2 jours formidables pour échanger sur le thème des plantes et des explorateurs. Donc je suis vraiment content de revenir aujourd'hui. Agnès m'a demandé de faire la partie introductive du sujet. Je me suis posé beaucoup de questions. Qu'est-ce que je devais dire? Est-ce que je devais parler de mes propres voyages ou autres? Il s'avère qu'il y a énormément d'ouvrages qui ont été publiés sur le thème des explorateurs et des voyages. Il y en a encore 3 qui ont été publiés dans les derniers mois. Donc c'est un thème extrêmement vaste. J'ai pas voulu vous faire quelque chose d'académique en reprenant un certain nombre d'entre eux et en vous faisant leur biographie, leur voyage et autres. J'avais pensé un moment faire une entrée par pays, en expliquant les principaux contributeurs de la connaissance de la flore dans chaque pays. Ça ne m'allait pas non plus. Alors je me suis dit, je vais prendre mes idées et puis je vais essayer de vous faire quelque chose. Voilà. Donc voilà, ce que je vais vous présenter. J'espère que ce ne sera pas trop décousu. C'est la première fois que je la présente. Je ne sais pas si ça dure 1h05, 1h10, 1h20. Donc je vous demande de l'indulgence et j'espère qu'il y aura un fil conducteur qui permettra que je vous transmette certaines des idées qui me tiennent à cœur dans le domaine des explorateurs. Voilà. Alors, première des choses que j'ai faites, c'est d'aller voir sur Wikipédia, quand on tape explorateur botaniste, qu'est-ce qu'on y trouve? Alors on y trouve un certain nombre de personnages illustres. Ce qui m'a surpris, c'est que le premier qui apparaît, c'est Mahé de la Bourdonnais, c'est quelqu'un dont on parlera lors de la présentation. C'est quelqu'un qui a beaucoup exploré l'océan Indien. Et il y a toute une communauté qui aide à faire connaître ce personnage important. Théodore Monod, bien entendu, personnage qui a énormément contribué à la connaissance de l'histoire naturelle, notamment dans les déserts. Les ouvrages, il y a beaucoup d'ouvrages, comme je vous le disais. Alors, comme Lucile est présent, donc j'ai mis la couverture de son ouvrage. On trouve effectivement quelque chose sur les explorateurs dans les livres de Tintin, alors j'ai pas pu résister à vous présenter ça. Alexandre von Humboldt et Aimé Bonpland, qui sont 2 illustres explorateurs qui ont voyagé en Amérique du Sud, à qui on doit beaucoup, à la fois en termes de découvertes scientifiques et puis dans différents concepts. C'est des gens qui ont également parlé de la répartition des plantes, ce qu'on appelle la biogéographie, et qui ont également été un peu des précurseurs de l'écologie, voilà, bien avant Haeckel. On trouve à plusieurs reprises des portraits de Francis, donc il est en première page de Google Images sur Wikipédia, et puis également en bas c'est Terra Botanica, donc Terra Botanica c'est un site, un parc de loisirs qui est dans la région d'Angers, et je me permets d'en parler parce qu'en fait quasiment la moitié du parc tourne autour de thématiques liées aux explorateurs ou aux plantes découvertes et utilitaires dans le domaine des explorateurs. Donc vous voyez que ce thème-là est un thème qui est extrêmement d'actualité, et cette année à Chaumont-sur-Loire, eh bien le thème c'est les collections botaniques et les explorateurs. Donc vous voyez, c'est vraiment un thème qui est dans l'air du temps. Je vous ai également montré au centre ce qu'on appelait la plante mangeuse d'hommes. Alors on parle d'explorateurs, on parle de voyage, donc il y a eu beaucoup de fantasmes sur le sujet, et notamment à un moment il a été décrit une plante mangeant des hommes. Bon, jusqu'à présent, personne ne l'a découverte. Je ne sais pas si Francis l'a vu, peut-être. Non, il ne l'a pas vu non plus. Bon, personne ne l'a vu encore. Et puis, je vous parle aussi de quelque chose en bas, là, qui s'appelle Échappée Belle. Je vous en parle parce que, à la fois, actuellement, c'est un thème extrêmement porteur, et en même temps, on a reçu cette semaine à Lyon l'équipe de cette émission qui disait qu'il sentait un début de revirement dans ce sens que c'est une émission qui a une dizaine d'années, et en fait, auparavant, ce qui marchait le mieux, c'était lorsqu'on montrait
des paysages du bout du monde, l'exotisme, etc. Et en fait, ils commencent à sentir, ils ont à peu près une trentaine d'émissions par an, et bien que cette année, sur 2014, ils ont fait le bilan, et bien les émissions qui marchent le mieux maintenant en termes de voyage, c'est les émissions qui parlent de France ou de préoccupations assez proches. Et sur les 10 plus grosses audiences de l'année dernière, il y en a 8 qui concernent des paysages et sur des thématiques françaises. Alors eux, ils appellent ça l'effet kilométrique, c'est-à-dire qu'en fait, on commence, semble-t-il, selon eux, à se reconcentrer sur des choses qui sont plus proches de nous et plutôt qu'à des choses qui sont extrêmement lointaines. Et plus ils parlent de sujets lointains, et plus en termes d'audience, ils commencent à constater qu'il y a de moins en moins de téléspectateurs. Alors, première idée qui me tenait à cœur, je pense que la plupart des gens, ça va leur parler, et c'est évident, mais je préférais le dire, c'est qu'en fait, il faut bien comprendre que l'ensemble des territoires sur la surface terrestre, en fait, est original. C'est-à-dire que quand vous êtes ici, à la Médicée, eh bien, vous avez un certain climat, une certaine géologie, une certaine flore, certains paysages, une certaine végétation, et quand vous passez de l'autre côté dans l'autre vallée, eh bien, on est dans un territoire différent. Donc dans le domaine de l'exploration botanique, eh bien, tous les territoires sont intéressants puisque tous les territoires sont originaux. Et c'est pour ça qu'en tant que naturaliste, c'est toujours intéressant pour nous même de faire 30, 40, 50, 80 ou 100 km puisque chaque territoire aura des choses à nous apprendre et chaque territoire sera original. Alors, cette biodiversité et toutes ces découvertes à faire, eh bien, il n'y a pas une répartition homogène de la richesse naturelle sur l'ensemble de la planète. Et il y a effectivement ce que les scientifiques ont appelé des hotspots, donc des endroits où il y avait des biodiversités plus importantes qu'ailleurs. Alors on pourra parler du pourquoi, hein, il y a un certain nombre d'explications qu'on peut donner sur ces choses, mais il y a effectivement des territoires qui, en matière de végétation, puisque c'est notre thème du jour, sont extrêmement riches. Alors cette biodiversité, eh bien, c'est une des raisons des explorations, c'est de continuer de la découvrir. Alors aujourd'hui, des gens estiment qu'il y aurait entre 13 et 15 millions d'espèces vivantes et on en décrit, a priori, 16 000 nouvelles chaque année. Donc une des premières raisons de faire ces explorations, eh bien, c'est de continuer de découvrir cette biodiversité. Alors cette biodiversité, eh bien, c'est le fruit d'une très longue exploration. Je vais essayer de vous prendre des explorateurs ou des découvertes botaniques qui sont assez anciennes et puis d'autres qui sont extrêmement récentes. Il y a eu quand même deux personnages. Alors j'ai oublié de vous dire que j'ai fait un parti pris, c'est-à-dire que les gens dont je vais vous parler, c'est des gens que j'aime bien. C'est complètement, voilà, c'est mon truc à moi. Il y a certainement des gens très importants qui ont fait des choses très intéressantes. Mais bon, j'ai dû faire une sélection et donc j'ai privilégié ceux que j'aimais bien. Voilà. Alors parmi ceux-ci, il y en a deux qui m'ont toujours beaucoup intéressé. C'est un dénommé Vavilov. Vous n'avez pas une... Alors le premier, c'est celui qui est en haut à gauche, c'est Vavilov. Enfin, pour être chronologique, il faut commencer par De Candolle, Auguste Pyrame de Candolle. Le voyage des plantes, en fait, s'est fait sur tout un tas de continents. Et au début du 19e siècle, eh bien, Auguste Pyrame de Candolle a publié un ouvrage qui s'appelle « Origine des plantes cultivées ». Et en fait, il s'est rendu compte que pour toutes les plantes qu'on avait dans les jardins, eh bien, il y avait un certain nombre d'endroits dans le monde qui étaient en fait d'énormes foyers pour les plantes qu'on utilisait aujourd'hui. Et donc il en a publié un ouvrage qui s'appelle « L'origine des plantes cultivées » sur lequel il faisait une première synthèse par rapport à ça. Au début du XXe siècle, il y a eu un grand scientifique russe qui s'appelle Vavilov, dont vous avez en haut à gauche une image de l'Institut Vavilov qui se trouve à Saint-Pétersbourg, qui lui eh bien, a déterminé des centres d'origine de ces plantes cultivées. Donc vous les avez représentés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc il y en a 12. Et lui considère que la plupart des plantes qu'on a dans nos cultures, qui sont importantes pour nous, pour notre vie de tous les jours, alimentaire, condimentaire et autres, eh bien il y a des foyers dans lesquels beaucoup d'entre elles sont originaires. Alors ces instituts, eh bien, ils continuent de fonctionner. Il faut le savoir, l'Institut Vavilov, ça existe encore. Ça a réussi à traverser tous les aléas politiques qu'il y a eu en Russie au cours du dernier siècle, et l'Institut Vavilov, on a des correspondants, Alix y est allé, il y a encore une richesse patrimoniale absolument extraordinaire, et c'est encore des gens qui conservent aujourd'hui, et qui diffusent également énormément, mais
beaucoup dans les plantes cultivées. Voilà. Et pour la petite anecdote, on a à Lyon une structure qui s'appelle le CRBA, et dans les explorations botaniques, eh bien, on va aujourd'hui rencontrer ses collègues botanistes de l'Institut Vavilov de Saint-Pétersbourg, parce qu'ils ont énormément de patrimoine végétal qui correspond à notre patrimoine culturel à nous, c'est-à-dire les variétés de fruits, de fleurs et de légumes de l'agglomération lyonnaise. Donc c'est une forme d'exploration botanique d'aller retrouver nos collègues pour retrouver ces variétés anciennes de notre patrimoine. Donc comme je vous le disais, voilà, pour vous montrer un petit peu que toutes les plantes qu'on a dans les jardins, ça c'est quelque chose que le grand public ne sait pas forcément, mais quand on regarde un jardin, eh bien, 80%, 90% parfois des plantes qu'on a dans nos jardins, eh bien, ce sont des plantes exotiques, ce sont des plantes qu'on ne retrouvera pas dans la nature française. Donc il y a des gens qui travaillent sur le sujet et qui eh bien, montrent que, regardez, on se rend compte que dans un jardin potager où la plupart de nos céréales, eh bien, ce ne sont pas des plantes spontanées, indigènes, mais des plantes qui ont été l'objet, le fruit du travail de tous ces explorateurs, de tous ces découvreurs au cours des différents siècles. Alors cette hétérogénéité de la flore à l'échelle mondiale, eh bien, quand on commence à s'intéresser à l'échelle nationale, eh bien, on se rend compte qu'elle est réelle également, et qu'il existe en France eh bien, des régions beaucoup plus riches que d'autres en flore. Vous voyez, la partie nord de la France est globalement plus pauvre, c'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'on constate à l'échelle mondiale avec des forêts équatoriales extrêmement riches, et plus on monte en direction du nord, plus la flore, la diversité s'appauvrit, eh bien, ça fonctionne également à l'échelle du territoire national, avec la partie méridionale qui est plutôt extrêmement riche, avec parfois plus que 4000 taxons dans certains départements, et puis à l'inverse, dans les parties nord, à la fois il y a un côté nord et puis il y a d'autres raisons, bien entendu, font que la flore est beaucoup plus pauvre. Alors, en termes d'exploration, c'est intéressant parce que ça permet de montrer qu'un botaniste qui partirait du nord de la France, du département de la Meuse, par exemple, vous voyez, qui est un département plutôt pauvre, eh bien, il a énormément de plantes à découvrir quand il va descendre sur la Côte d'Azur, à Lyon, dans les montagnes, etc. Donc l'exploration botanique, c'est bien sûr à l'autre bout du monde, mais il y a, rien qu'à l'échelle de notre territoire, énormément d'exploration botanique, énormément de plantes à découvrir, rien qu'en faisant quelques centaines de kilomètres en partant de chez soi. Alors ça, c'est des choses qui se traduisent très très concrètement. En 1888, dans le parc de la Tête d'Or, le directeur de l'époque et le maire décident de créer le jardin alpin. C'est une structure qui existe encore aujourd'hui. On est d'ailleurs en train de finaliser 3 ans de travaux. Et le problème, c'est qu'à l'époque, il n'y a pas les foires aux plantes, il n'y a pas les pépinières collectionneurs. Et constituer un jardin alpin et présenter des plantes de montagne, eh bien, il faut aller dans les Alpes pour chercher toutes ces plantes. Et donc, on a dans nos archives, on est en train de fouiller un petit peu tout le fond d'archives, on a un rapport qui a été fait, je vous mets, installation d'une collection de plantes alpines dans le parc de l'Arbre de la Tête d'Or. Eh bien, c'est le directeur de l'époque qui écrit au maire de Lyon pour lui expliquer que, ok, on va faire un jardin alpin, pas de problème, mais il va falloir monter une véritable expédition botanique pour aller dans les Alpes, pour collecter toutes les plantes dont on aura besoin pour faire ce jardin alpin, puisque bien sûr, elles sont introuvables ailleurs. Et donc, pour l'époque, en 1888, partir de Lyon avec toute une équipe, donc on a retrouvé même l'image, regardez, des membres de l'équipe, eh bien, c'est une véritable expédition botanique, d'aller chercher toutes ces plantes. Et alors, ce qui est très intéressant pour la petite histoire, c'est qu'au moment de leur retour, eh bien, ils vont faire un rapport dans lequel ils vont justifier au maire de toutes les sommes. Ils ont dû louer une voiture, ils ont dû se nourrir, ils ont dû loger, etc. Et il fait le rapport en face de ce que ça aurait coûté s'ils avaient dû acquérir ces plantes. Et donc, il montrait à travers son rapport combien il était économiquement intéressant d'aller faire des explorations botaniques et que c'était beaucoup plus intéressant pour eux. Et ça, c'est des textes qu'on a et c'est absolument, absolument délicieux de découvrir ça. Alors, je vous ai pris un exemple de la découverte de la flore régionale en 1880. Je voulais vous en prendre un autre actuel. Aujourd'hui, les connaissances floristiques sont bien entendu beaucoup plus importantes qu'auparavant. On sait par exemple dans l'agglomération lyonnaise qu'on a à peu près 1750 espèces différentes. Donc, vous voyez, on a un chiffre très très précis.
Il y a des botanistes qui, depuis des siècles et des siècles, font des descriptions, font des découvertes, etc. Éditent, publient un certain nombre de choses. Donc aujourd'hui, on a une connaissance assez importante. Mais ce n'est pas suffisant. C'est qu'aujourd'hui, vous savez, on fait des projets urbanistiques, ce qu'on appelle des PLU, ce qu'on appelle des SCOT. Enfin, c'est des stratégies urbanistiques des agglomérations. Et on a besoin de données floristiques extrêmement précises. Et il a été lancé par un certain nombre de structures, qu'on appelle les conservatoires botaniques nationaux, des cartographies à l'échelle du territoire national, de 5 km par 5 km, pour savoir quelle était la répartition des plantes à l'échelle de ces territoires. Sauf que quand on est dans l'agglomération lyonnaise, un carré de 5 km par 5 km, c'est gigantesque. Ça va de Villeurbanne jusqu'à Caluire. Donc c'est un niveau d'investigation qui n'est pas suffisant à celui dont on a besoin pour faire des choix urbanistiques importants. Et donc pendant 3 ans, nos botanistes du jardin botanique et des collègues du CBN, donc du Conservatoire botanique du Massif Central, on a exploré, mais cette fois-ci dans des carrés de 1 km par 1 km, chaque carré, les uns après les autres, pour faire des inventaires floristiques beaucoup plus précis. Alors on n'a pas découvert de nouvelles espèces, bien entendu, à part quelques-unes qui n'avaient pas été revues depuis très longtemps. Mais par contre, on a aujourd'hui, c'est de l'exploration botanique, mais par contre pour avoir une vision beaucoup plus précise de la répartition de ces taxons végétaux. Alors voilà, je vous ai mis par exemple, on aboutit à des cartes de répartition où vous avez la présence d'une espèce à une certaine époque, les nouvelles découvertes, etc. etc. Et là, vous voyez, du coup, on peut se concentrer sur certains taxons végétaux. Ça, c'est un taxon Senecio paludosus, qui est une plante protégée, c'est une plante rare. Du coup, ça permet, à travers cette augmentation des connaissances, d'avoir des moyens de mieux protéger, de mieux sauver la biodiversité. Oula, ça va revenir ? Ça va pas revenir. Voilà. Alors, un autre élément dans le voyage des plantes qui me semblait important, c'est de faire cette distinction, mais vous la connaissez, c'est entre les plantes qu'on appellera botaniques, les plantes sauvages, telles qu'on les trouve dans la nature, et puis toutes ces plantes qui ont été le travail de l'horticulture et des hommes. Et je vous prends un exemple qui est en lien avec la flore française, c'est qu'aujourd'hui, lorsque vous allez dans la nature, vous avez une plante qui s'appelle Rosa gallica. Donc Rosa gallica, on pourrait dire, c'est la rose de France, donc c'est une rose française. En fait, pas du tout, c'est une rose qui est plutôt originaire d'Europe orientale, Syrie, Turquie, etc. Et en fait, elle est arrivée en France par des voyages, mais entre autres par les croisades. Et ces plantes-là se sont naturalisées et on les retrouve aujourd'hui dans les écosystèmes français. Et puis comme c'est une ronde très intéressante, c'est la rose de province, si vous voulez, ça fait partie de ce groupe des roses galliques, les horticulteurs ont créé, sur la base de cette rose unique, Rosa gallica, tout un tas de variétés, de cultivars qu'on retrouve aujourd'hui dans les jardins. Et donc ce que je pense intéressant à dire dans un thème comme celui-ci, les plantes se font la malle, c'est qu'il faut aller découvrir les plantes, il faut les décrire, les nommer, classer, décrire, il faut les rapporter, on en parlera, puis après il faut les cultiver, il faut être capable, si c'est des plantes qu'on est amené à cultiver pour tout un tas de raisons, il faut acquérir les conditions et les modes de culture pour pouvoir sauver tout ce patrimoine végétal. Et en plus de ça, donc, on en a créé toute une série de choses. Alors, je vous ai mis en haut la Rosa gallica spontanée, sauvage, telle qu'on la trouve dans la nature. Et puis, je vous ai sélectionné un cultivar qui a été obtenu. Et dans cette histoire, pour ne parler que de la Rosa gallica sur ce slide, le nom à évoquer, bien entendu, c'est Joséphine de Beauharnais et son jardin de la Malmaison, dans lequel il y a eu un énorme travail de sélection variétale sur les Rosa gallica. Alors ensuite, on prend un peu plus d'espace. Je commence par l'Himalaya. Alors ça, c'est pour des raisons personnelles, puisque le premier voyage botanique que j'ai été amené à faire, c'était dans l'Himalaya. C'était en 1989. Et la genèse du projet, elle est exactement dans le thème d'aujourd'hui. C'est que j'avais commencé mes études en horticulture. Donc j'étudiais les plantes de jardin. Et en même temps, j'avais commencé à m'intéresser à la flore sauvage. Et donc je me suis dit, je vais aller dans un endroit du monde dans lequel je vais pouvoir voir dans la nature les plantes qu'on cultive dans nos jardins. Et il s'avère que l'Himalaya, notamment le Yunnan et le Sichuan, c'est là où je devais aller normalement, est un territoire extrêmement riche en plantes de nos jardins. Les piracantas, les cotonéastères, les budléias, les
des chênes, énormément de plantes vivaces, des rhododendrons. Enfin, il y a une flore extrêmement riche dans ces régions-là. Et c'est très intéressant d'aller dans ces pays pour voir comment, quelle est l'écologie de la plante dans la nature. Et puis, qu'est-ce qu'on en a fait dans les jardins et dans quel type d'écologie et comment on réussit à cultiver tous ces végétaux. Donc, mon premier voyage, ça a été malheureusement pas en Chine, parce que c'était en 89, c'était les événements de la pièce Tiananmen. Donc, j'avais 18 ans à l'époque. Mes parents m'ont dit, non, Frédéric, tu ne vas pas aller en Chine tout seul pendant 2 mois et demi. Donc, tu vas aller au Népal, ce sera beaucoup plus sûr, c'est beaucoup plus touristique. Et puis de là, ça a enchaîné, le Népal, l'Inde, le Pakistan. Donc, j'ai pu avoir une vision depuis le Pakistan jusqu'au Yunnan d'un certain nombre d'éléments floristiques de la flore d'Himalaya. Et j'ai fait un certain nombre de présentations sur le sujet. Et il y avait un des explorateurs qui me tenait beaucoup à cœur, c'est Victor Jacquemont. Parce que il faut quand même dire que dans l'exploration botanique, eh bien, il y a des gens qui ne sont pas rentrés de leur exploration botanique. On a dans la salle Henri et Juliette qui sont membres de l'association La Pérouse. Donc on parle bien sûr de La Pérouse qui n'est pas rentrée. Et moi, il y avait un des personnages qui me tenait beaucoup à cœur, qui est Victor Jacquemont, qui est mort à 31 ans en Inde, donc relativement jeune, et qui était un explorateur. Donc il y a deux plantes que je vous ai sélectionnées qui portent son nom. En haut, un Parotiopsis jacquemontiana, et puis à côté, un bouleau qui s'appelle bouleau jacquemonti, qui est un bouleau splendide, qui vit au Cachemire, dans des biotopes extraordinaires. Et puis surtout, je l'aimais bien, ce personnage, parce qu'en fait, au moment de sa mort, tout son matériel d'herbier et toutes ses collectes ont été rapatriés au muséum, ils ont été étudiés, entre autres par Adrien Jussieu. Ses carnets de route ont fait l'objet d'une publication par Prosper Mérimée. Donc il y a eu très rapidement une valorisation scientifique. Et puis j'aime beaucoup ce personnage parce qu'Aline Reynal l'aimait beaucoup, et moi je l'aime bien aussi, parce qu'en fait, son corps n'a été rapatrié, comme vous le constatez, presque que 50 ans après, quoi. Donc on a d'abord utilisé tout son matériel, toutes ses recherches, puis à un moment on s'est dit, quand même, on a découvert beaucoup de choses grâce à lui, on va rapatrier son corps, et je crois que son corps, il est enterré juste à côté de la galerie de zoologie, je crois. Ouais. Voilà. Alors, quand on fait de l'exploration botanique, on peut collecter un certain nombre de choses. On peut collecter des plantes vivantes, auquel cas on va les cultiver par exemple en pot. Donc on aura la plante entière, la racine, les parties aériennes. Donc quand on était à l'époque des bateaux, eh bien, il fallait pouvoir les transporter. Yves Marialin a écrit un ouvrage sur le sujet pour montrer toute l'évolution des caisses de transport de plantes qui étaient faites sur les bateaux. Donc je ne vais pas m'appesantir sur le sujet, mais voyez à peu près à quoi ressemblait ce type de caisse de transport de plantes. Ça, c'est le fameux modèle qui a été un genre d'aboutissement, si vous voulez, qu'on a appelé la caisse de Vard, mais il y en a eu bien d'autres auparavant. Et toutes les plantes en pot étaient posées comme ça sur les pontons des bateaux, à la fois pour protéger des embruns, pour protéger de l'insolation, avoir des conditions un petit peu plus homogènes, et puis surtout, ce qu'on n'imagine pas forcément au premier abord, protéger contre les rats. Parce que sur les bateaux de navigation, il y avait beaucoup de rats, et les rats pouvaient éventuellement monter et aller grignoter les racines de toutes ces plantes extrêmement précieuses. On peut également collecter des échantillons d'herbier, ça c'est une autre possibilité. On peut collecter des graines également, on peut collecter tout un tas de choses. Là, vous avez par exemple une plante australienne, donc c'est une part d'herbier qu'on a au Jardin botanique de Lyon. C'est un botaniste qui s'appelle Seringe et qui a, c'est ce qu'on appelle un type nomenclatural, c'est-à-dire que c'est la plante, c'est l'échantillon d'herbier qui a permis la première description de cette espèce végétale. Alors, on peut ramener également des graines. Là, je vous ai mis un superbe siègrus. Ça, c'est une photo qui a été prise à Amsterdam, dans les serres du Jardin botanique d'Amsterdam. Et puis à côté, c'est les collections d'histoire naturelle du Jardin botanique de Lyon. Vous voyez, au cours des explorations, on peut également collecter du matériel mort, entre guillemets, parce que ça a un intérêt spectaculaire, décoratif, ou même parfois scientifique, pour la description de certains taxons. Alors tout ce patrimoine végétal rapporté du monde entier depuis des siècles et des siècles et des siècles, eh bien, ça constitue des collections. Ça peut constituer des herbiers, des collections mortes, ça peut constituer des collections de graines ou de fruits, des carpothèques, mais ça peut également constituer des collections vivantes. Et là, on le sait bien, on est dans le monde des jardins, eh bien, l'entretien et la préservation de patrimoine vivant, c'est quelque chose d'assez complexe.
Ça se bouture, ça s'hybride, ça meurt, ça gèle, ça sèche, enfin, etc., etc. Et tout le fruit de ces explorations sur des siècles et des siècles à l'échelle du monde, eh bien, ça constitue aujourd'hui le patrimoine végétal français, horticole ou botanique. Alors il y a tout un tas de réseaux qui existent. Dans le réseau CCVS, on a à peu près 200 collections. Le réseau anglais que vous avez ici, qui s'appelle Plant Heritage, ils ont à peu près 600 collections. Et le nombre d'espèces végétales en France cultivées est entre 40 000 et 50 000. Donc vous voyez que ce patrimoine, ça représente quand même un nombre de taxons différents assez important. Alors vous avez un ouvrage qui est très important en haut qui s'appelle le Plant Finder, c'est-à-dire que tout ce patrimoine, bien, si on veut le trouver, bien, il y a des ouvrages aujourd'hui de référence. Si on veut, vous avez les réseaux des chercheurs également, je vous ai mis les réseaux des collectionneurs, réseaux des collections végétales de l'INRA, puisque effectivement pour faire de la recherche scientifique sur tout un tas de plantes, les carottes, le blé, la pomme de terre et autres, eh bien, les chercheurs doivent constituer des collections. Donc ça fait partie également de tous ces gens qui aident à la préservation de ce patrimoine, des réseaux plus associatifs, comme Semences Paysannes, et puis en haut, le réseau des jardins botaniques. Et là, je vous parle d'un réseau qui est très important pour nous, qui s'appelle le BGCI, Botanical Garden Conservation International. Alors, c'est le réseau mondial de l'ensemble des jardins botaniques qui adhèrent à cette charte, puisqu'en fait, pour être jardin botanique, il faut avoir un certain nombre de règles et respecter certaines valeurs, on va dire, en matière de fonctionnement de sa structure et un certain nombre d'éléments éthiques. Aujourd'hui, il y a à peu près 2000 jardins botaniques à l'échelle mondiale qui adhèrent à ce réseau. Et donc, lorsque des chercheurs, par exemple, ont besoin d'une plante, eh bien, on peut adhérer, on peut aller rechercher sur ce site eh bien, une plante particulière dont un chercheur pourra avoir besoin. Et ce réseau s'appelle le BGCI. Alors ça me permet d'évoquer un élément important également en matière d'exploration et de botanique pour vous montrer comment les choses ont évolué au cours du temps. Aujourd'hui, vous cherchez une plante un peu particulière, vous allez sur le site du BGCI, vous tapez son nom et vous avez automatiquement la liste de tous les jardins à l'échelle mondiale qui possèdent cette espèce végétale, donc vous pouvez éventuellement les contacter. Vous montrer à peu près le niveau des connaissances qu'on a aujourd'hui sur les végétaux. Et puis, j'aime à raconter, parce que pour les explorateurs modernes, par rapport à leurs prédécesseurs, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. C'est l'histoire de l'index de Kew. J'aime beaucoup raconter ça. L'index de Kew, moi je suis un jeune botaniste, mais quand j'ai commencé dans les années 85, il y avait ce qu'on appelait l'index de Kew. C'est un ouvrage dont la première publication doit débuter au début du XXe siècle. C'est un genre de catalogue, si vous voulez, d'annuaire, dans lequel tous les noms des plantes qui ont été décrits sont catalogués. Et on vous dit tel nom, il a été inventé un jour, par tel auteur, dans telle publication, en telle année. Et c'était des listes, voilà. Il y en avait, vous imaginez, des dizaines de milliers, des dizaines de milliers. Et puis, tous les 4 ans, 5 ans, 6 ans, eh bien, on rajoutait le nouveau volume des nouvelles publications de l'index de Kew. Et donc, on avait au jardin botanique, déjà, ce n'est pas tous les jardins botaniques de France qui l'avaient, hein, c'est un certain nombre de grosses institutions, parce que c'est des ouvrages qui étaient quand même très onéreux à produire, tirés à très peu d'exemplaires, donc ça coûtait relativement cher. Et il y avait les premiers tomes, et puis il y avait les 15 ou 20 autres qui étaient tous les ajouts. Et donc, c'était un document important, parce que du coup, n'importe quel nom, on pouvait savoir qui l'avait, entre guillemets, inventé, dans quelle publication, pouvoir s'y référer et autres. Et puis, il y a eu une étape. C'était dans les années 95 à peu près, où en fait ils ont compilé toutes les données de tous les index de Kew sous forme d'un CD-ROM qu'on pouvait acquérir. C'est-à-dire que là, il y avait une première avancée, c'est que lorsqu'on avait un nom de plante, on n'était pas obligé d'aller regarder tous les volumes pour savoir est-ce que c'était en 1950, en 1970 ou en 1880, d'accord ? Parce que comme on ne savait pas à quel moment c'était publié, je ne sais pas si je suis clair dans ce que je raconte, eh bien il fallait revoir chaque volume les uns après les autres. Donc première grosse avancée, grâce au CD-ROM, boum, on tombait directement. Mais le CD-ROM était assez onéreux, c'était à nouveau quelque chose d'assez cher et réservé quand même aux spécialistes. Et pour vous montrer les gaps qu'on a franchis, le nombre d'étapes qu'on a franchis, aujourd'hui, tout ça est en ligne sur le web, avec plusieurs bases nomenclaturales à l'échelle mondiale. La plus importante d'entre elles s'appelle IPNI, I-N-P-I.
Il y en a une autre qui est très importante, qui s'appelle Tropicos, et une autre très importante, qui s'appelle Green, G-R-I-N, et tout ça est mis à jour au quotidien, et tout ça est aujourd'hui entièrement gratuit. Tout ça est entièrement gratuit. Donc, pour vous montrer comment, en matière d'accessibilité de données, on est passé d'un ouvrage extrêmement confidentiel et très cher à aujourd'hui quelque chose d'actualisé. Et alors, c'est toujours les mêmes structures derrière, hein, le Missouri, Kew Gardens et autres, mais aujourd'hui, on a un accès extrêmement facilité à toutes ces bases de données très importantes pour les botanistes et donc indirectement pour les explorateurs. Alors ces collections botaniques, elles sont aujourd'hui extrêmement vastes et il y a des réseaux de pépiniéristes, de collectionneurs, et puis il y a également des foires aux plantes. Hein, il y a énormément de foires aux plantes qui sont organisées en France. Les précurseurs sont bien entendu Courson, mais il y en a beaucoup d'autres qui ont été faites par la suite. Je ne citerai pas de nom, mais il y en a un certain nombre. Mais il y a une vraie émulation, il y a un vrai intérêt aujourd'hui pour la plante de collection et pour le jardin. Alors, ça me permet d'introduire un débat, d'évoquer quelque chose qui me tient à cœur. Je commence par la petite anecdote. La petite anecdote, c'est qu'on a eu au Jardin botanique de Lyon une personne qui s'appelle Cédric Basset, qui a travaillé chez nous pendant presque 12 ans ou 13 ans, qui était quelqu'un qui voyageait, donc un individuel qui voyageait beaucoup, beaucoup dans l'Himalaya, qui a fait énormément de photos, qui a fait un gros, gros travail sur la chaîne de l'Himalaya. Il a créé d'ailleurs une pépinière aujourd'hui qui vend des plantes asiatiques. Et puis à un moment, une maison d'édition, l'édition Ulmer, Antoine Isambert ou Lucille Publi, demande à Cédric, est-ce que tu accepterais de faire un ouvrage sur tes plantes de l'Himalaya? Et ça tombait bien, puisque quand on va à Courson, c'est vrai que la flore chinoise et la flore de l'Himalaya, c'est quelque chose pour lequel il y a énormément d'amateurs. Donc Cédric publie un premier ouvrage qui s'appelle « Plantes de l'Himalaya et des montagnes de Chine ». Donc il remporte un certain succès, cet ouvrage. Et puis, son éditeur, Antoine, dit, écoute, est-ce que, pour pouvoir un peu donner des indications pour que les gens aient envie de les mettre dans leur jardin, est-ce que tu pourrais pas nous faire un ouvrage, cette fois-ci, sur, OK, on a des belles plantes, mais comment on peut faire pour les cultiver? Et donc, il commande à Cédric un second ouvrage qui s'appelle « Cultiver les plantes de Chine et du Japon », pour donner des indications de culture. Tout ça, ça paraît bien, on est dans le monde de l'exploration, on découvre, on introduit, bon... Cédric fait cet ouvrage, il le publie, et puis il va publier sur un site qui s'appelle Tela Botanica, que vous connaissez certainement, qui est un énorme site. Il y a, je crois, 23 000 personnes aujourd'hui qui reçoivent la lettre d'information du jeudi de Tela Botanica. C'est vraiment un réseau qui structure énormément la communauté botanique francophone. Il publie l'information sur son ouvrage, et là, boum, lui, en se disant « super, je vais pouvoir partager, échanger », et regardez ce qu'écrivent deux personnes. Je vous laisse le lire. C'est bon ? Vous voyez ? C'est-à-dire que là, si vous voulez, on touche à la conception, c'est-à-dire de la vision qu'on a. On est explorateur botaniste, on va, on découvre, on décrit, on se dit, on fait du bien à la communauté scientifique. Et puis, il y a d'autres personnes qui sont également des amoureux de la botanique, amoureux des plantes, mais qui ont une vision un peu différente. Donc, dans le domaine de la botanique et de l'exploration, je pense que c'était intéressant d'évoquer le fait que l'exploration botanique, ça peut être vu de différentes manières, et puis ça peut avoir un certain nombre d'éléments sur lesquels qu'il faut prendre en compte et sur lesquels il faut réfléchir. Alors du coup, je vais les passer rapidement, mais je veux quand même vous les montrer. J'ai lu il y a une dizaine de jours le livre que, on en a parlé hier, que Francis a publié avec Gilles Clément et M. Lemarchand, fondateur, je crois, de Nature et Découverte, qui est un petit ouvrage dans lequel ils évoquent un dialogue justement sur ce problème du voyage des plantes, de l'introduction des plantes envahissantes, pourquoi, comment, etc. C'est un véritable débat. Je ne sais pas si c'est intéressant, je ne suis pas forcément le mieux placé pour l'évoquer, mais en tout cas, ça fait partie des choses dont il me semblait important de parler lorsqu'on parle d'exploration botanique. Alors, la première d'entre elles, c'est ce qu'on appelle le rhododendron ponticum, qui en fait était déjà un hybride,
qui est une plante originaire de... J'ai bien... Tu me l'as mis où ? Ah, voilà, c'est ça. Voilà. Voilà, donc cette Rhododendron ponticum, c'est une espèce de la chaîne pontique, un pontexin, donc du nord de la Turquie. Il y a quelques populations dans le sud de la Turquie, mais alors dans le sud de l'Espagne et du Portugal, qui sont extrêmement menacées. Et puis cette plante, elle a été hybridée. Et puis alors regardez, ben, elle est devenue, comme vous le voyez ici, regardez, c'est devenu une plante qui pose d'énormes problèmes écologiques. Donc la fleur est superbe, hein, c'est une belle plante de jardin. Mais alors du coup, ça pose de vrais problèmes écologiques dès qu'on a sorti cet hybride, parce qu'il s'agit d'un hybride, et elle pose de vrais problèmes écologiques. Alors, une autre plante, je ne peux pas dire que son impact est pas une plante qui va forcément entraîner la disparition de beaucoup d'autres. Ah, pardon. Bon, en tout cas, elle a une tendance à la colonisation assez importante, mais je ne suis pas certain qu'elle ait la force vraiment d'aller détruire de la flore locale. En tout cas, c'est mon opinion sur le sujet, mais il n'empêche qu'elle est aujourd'hui complètement spontanée, naturalisée, on la retrouve dans beaucoup d'endroits, et c'est une plante chinoise. Puis ça permet de faire un petit clin d'œil à notre ami David, le père David, qui a été un des grands explorateurs de la Chine. Alors une autre que là on connaît bien, et là il y a non seulement des problèmes écologiques, mais en plus des problèmes liés à l'homme, c'est la berce du Caucase. C'est une plante géante, hein, qui est considérée comme la plus grande plante vivace d'Europe, qui peut faire jusqu'à 4 mètres de haut, Heracleum mantegazianum. Alors une qui est vraiment, cette fois-ci, je pense, la pire, c'est une plante du nord-est de l'Asie, Japon, Mandchourie, Sakhalin et autres. Ça s'appelle la renouée du Japon. Alors là, tout le monde la connaît, hein. C'est une vraie calamité. J'ai fait ma thèse dans un laboratoire à Metz, le laboratoire de Serge Muller, et on avait des programmes de recherche il y a déjà 20 ans sur tous ces problèmes des plantes invasives. Il y a eu des colloques sur le sujet, il y a eu énormément de choses qui ont été faites sur ce problème des plantes invasives. Il vous reste 45 minutes. 45 minutes. Vous êtes où ? En haut. D'accord. Alors, je vais me dépêcher. Bon, alors, ah oui, 45 minutes ? Oui. Oula, alors, je vais passer très vite. Alors, une autre plante qui pose problème, c'est la Jussie, cette fois-ci plutôt dans le sud-est de la France. L'élante, ça, c'est une introduction beaucoup plus ancienne, mais qui pose également quelques problèmes écologiques. Cette fois-ci, bon, c'est plus anecdotique, mais quand même, sur le pourtour méditerranéen et dans certaines régions du monde, c'est quand même une plante qui pose des problèmes, c'est le Carpobrotus, on appelle la griffe de sorcière. L'impatience de l'Himalaya, ça c'est plutôt dans des forêts relativement fraîches, dans les sous-bois, ça peut parfois envahir considérablement, c'est une plante de l'Himalaya. L'ambroisie, alors là pour la région Rhône-Alpes, on le connaît bien, hein, c'est une plante originaire d'Amérique du Nord et qui pose de gros problèmes, notamment allergènes. Ça c'est une spartine, alors c'est une plante en fait, elle est intéressante et je la présente pourquoi, parce que c'est une plante d'Amérique du Nord et en fait elle a été introduite et elle avait sa petite cousine européenne, elle s'est hybridée, elle a créé un hybride, qui s'appelle Anglica, qui malheureusement a supplanté notre petite spartine européenne. Le sénécio, alors ça c'est très beau pendant l'hiver, hein, c'est un sénécio sud-africain et ça fleurit au mois de décembre, janvier, février. Voilà, l'élodée du Canada, encore une autre, cette fois-ci un petit peu plus ancienne. Les oxalis, ici on n'est pas trop concerné, mais quand vous allez sur le pourtour méditerranéen en décembre, janvier, février, c'est des immenses tapis jaunes de cette plante sud-africaine. Alors le problème existe bien entendu sous les tropiques, alors je vous montre quelques exemples, l'Antana camara, le fameux Myconia, extraordinaire, alors, vous voyez ça c'est une photo. C'est pas une photo de moi, c'est une photo que j'ai trouvée sur Wikipédia à Tahiti. Vous voyez un peu le groupement, il est devenu monospécifique de Myconia. L'édicium, alors ça pour nous c'est une plante de jardin, c'est vendu à Courson comme une plante assez intéressante et précieuse. Elle résiste relativement bien au gel, mais alors quand vous allez sous les tropiques, hein, moi je l'ai vu à Hawaï, le long des routes, alors c'est splendide, hein, d'un point de vue paysager, d'un point de vue visuel, c'est superbe. Par contre, c'est vraiment une calamité au niveau horticole. Et puis alors ça, c'est absolument spectaculaire. C'est notre petite ajon. Vous savez, c'est une espèce de la côte atlantique. Eh bien, elle a été introduite en Nouvelle-Zélande. Alors regardez un peu les dégâts que ça produit sur les écosystèmes en Nouvelle-Zélande. Alors, comme je vous le disais... ces plantes, on est allé les chercher, on les a ramenées parfois sous forme de plantes vivantes, et puis après, ben, pour certaines d'entre elles, il s'est posé la question de les cultiver. Alors, il y a toute la partie des plantes qui vivent en extérieur chez nous, qu'on est capable de cultiver, qui tiennent au gel, qui tiennent à nos étés, nos hivers, nos précipitations et autres. Et puis après, s'est posé le problème de l'acclimatation de toutes les plantes qui ne tiennent pas
dans un contexte naturel, enfin entre guillemets naturel d'un jardin, pour lequel il a fallu construire des structures particulières. Et donc les structures, les premières structures à avoir été construites dans ce sens-là sont les orangeries, avec notamment l'orangerie du château de Versailles, qui a donné ensuite une impulsion à l'échelle internationale, et il y a énormément d'orangeries qui ont été construites par la suite. Je vous ai mis en haut l'orangerie du parc du Sans-Souci, c'est à Potsdam, donc c'est au sud de Berlin. Donc cette orangerie du parc du château de Versailles, eh bien, a été importante puisqu'elle a été un peu la genèse de beaucoup de créations d'orangeries. Et puis surtout, comme je vous le disais, on sort du contexte de la plante qui pousse spontanément. Cette fois-ci, on a créé une structure particulière. On va devoir les hiverner, on va devoir les mettre dans des bacs. Donc là, on franchit une étape supplémentaire dans la culture, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la plante cultivée en pleine terre et qui se multiplie toute seule. Alors, j'ai voulu vous parler de trois plantes qui sont des plantes classiques d'orangerie, c'est-à-dire les agrumes, les camélias, et la troisième, on va la voir. Les azalées, voilà, c'est ça, les azalées. Alors, vous voyez, par exemple, quand on parle d'explorateurs botaniques, Alexandre le Grand, hein, lorsqu'il part de Macédoine, eh bien, il va jusque le long de l'Indus, et donc il découvre les agrumes, et alors, est-ce que c'est de manière volontaire ou involontaire, ça je ne peux pas le dire, mais en tout cas, l'arrivée des agrumes, les cédras, eh bien, ce sont des conquêtes d'Alexandre le Grand. Et toute cette première introduction de la plante spontanée, qui elle-même, il faut le savoir, hein, je crois que je tiendrai pas en une heure et demie, là, ça va, si je... Bon, allez, ça m'intéresse trop, je suis désolé. Cette plante-là n'était elle-même pas originaire de là. C'est une plante qui est originaire de Chine. La plupart des agrumes, vous savez, sont originaires de Chine. Le nord, le sud, même jusqu'en Malaisie et aux Philippines pour certains, mais c'est un groupe qui est originaire de là. Et quand ils le découvrent en Asie, c'est déjà un premier voyage botanique que ces plantes ont fait. Et puis, qu'est-ce que c'est devenu ? Eh bien, là, vous avez une image du cédra de Corse. Donc, il y a eu un travail de sélection horticole pour arriver à le cédra de Corse. Et puis, je n'ai pas pu résister à vous mettre le fameux main de Bouddha, qui est une sélection du nord de l'Inde ou de la Chine. L'origine est encore relativement incertaine sur cet agrume de la main de Bouddha. Et ça, c'est une fresque de Pompéi, en fait, sur lequel on voit les premiers cédras. Donc, la deuxième, c'est les camélias. Donc, l'introduction des camélias, eh bien, elle se fait par les Portugais, vers 1550, puisque les Portugais avaient un comptoir au Japon. Et puis ensuite, à partir de là, ça va se diffuser un petit peu en France. Et aujourd'hui, on arrive avec des collections absolument extraordinaires, à la fois dans les botaniques et dans les horticoles, puisque, comme vous le voyez, la ville de Nantes, qui est la collection nationale de camélias, a plus de 1500 camélias différents. Alors, la plupart d'entre eux sont des cultivars horticoles, mais il y a quand même un certain nombre d'espèces botaniques. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que le camélia, le moment où on l'introduit, c'est une plante exotique qui vient du Japon, et bien pendant très longtemps, on pense que le camélia est une plante de serre. Et en fait, il va falloir attendre un certain nombre d'années pour qu'on se dise, bah non, tiens, on va tester les camélias en extérieur, et il s'avère, on le sait bien aujourd'hui, que les camélias tiennent pour la plupart d'entre eux très bien en extérieur. Alors, dans le camélia, bien sûr, il y a une dimension horticole, mais il y a également une dimension industrielle, hein, ce sera évoqué dans le congrès. Alors, les Portugais et les Anglais voulaient introduire le camélia qui a une propriété industrielle qui est le thé. Vous avez une image en bas. Et malheureusement, au moment où on leur demande des graines de thé, eh bien, les Japonais, les Chinois, au lieu de leur donner des graines de thé, leur donnent des graines de camélia japonica. Alors, l'exploration dans le domaine des camélias, eh bien, elle continue. Elle continue. Il y a une association internationale des amateurs de camélias qui fait des congrès mondiaux. Et l'exploration continue. Et vous voyez, en 1965, un Chinois, eh bien, dans la flore de Chine, eh bien, décrit 14 nouvelles espèces. Et puis surtout, ce qui est très important pour les amateurs de camélias, c'est le fameux camélia chrysanta, qui est le premier camélia à fleurs jaunes. Alors aujourd'hui, il y en a beaucoup d'autres espèces qui ont été découvertes à fleurs jaunes. Mais vous voyez que les découvertes dans le domaine de la botanique et plus indirectement des jardins, eh bien, toutes ces explorations et toutes ces découvertes vont certainement aboutir dans quelques années à avoir, lorsque les hybridations se feront, qu'elles seront réussies et que ça va se faire, on aura peut-être, dans 30 ou 40 ans, de manière assez commune, des camélias à fleurs jaunes dans nos jardins.
Alors l'autre, ben, c'est les azalées, effectivement. Tu avais vu ma conférence avant moi, certainement. Il y a eu des indiscrétions, alors. Ah, d'accord, ok. Donc l'arrivée des camélias exotiques, donc il y en a deux qui sont importants. Un, c'est Joseph Piton de Tournefort, qui est un naturaliste français qui a exploré le Proche-Orient et qui a fait des découvertes intéressantes. Et puis c'est grâce à lui, indirectement, l'arrivée des deux premiers rhododendrons, Auriculatum et Serotinum, qui ont vraiment lancé la mode des camélias à l'échelle européenne. Et puis ensuite, il y a eu une deuxième arrivée qui est très importante, c'est le groupe des rhododendrons Indicum. Alors c'est une section aujourd'hui, c'est, en termes de systématique, c'est un peu compliqué. Mais pour faire simple, ce sont des rhododendrons à feuilles caduques, si vous voulez, dans lequel il y a en fait énormément d'espèces différentes, notamment Indicum. Et depuis cette introduction qui a été faite en 1680, depuis Nagasaki, donc le fameux comptoir qui était au Japon, eh bien ça a lancé la mode des azalées, dont on a aujourd'hui énormément de cultivars dans les jardins. Alors, on parle des orangeries, maintenant on bascule vers des structures un peu plus performantes, c'est les serres. Fin du XVIIIe siècle, révolution industrielle qui débute en Angleterre. On commence, au fur et à mesure des années, à de mieux en mieux maîtriser le fer et le verre. Et donc, au début du XIXe siècle, eh bien, tout ça, toutes ces avancées technologiques, elles commencent à se traduire dans le domaine de l'horticulture, et on crée les premières serres. Là, vous avez, je crois, hein, parmi les plus vieilles, la plus vieille peut-être, structure en verre encore en place existante. Elle est à Belfast, donc en Irlande du Nord, et elle a été faite par Richard Turner, qui, voyez, en 1839, construit une structure absolument extraordinaire pour la culture des plantes. Auparavant, on avait des grandes serres, mais elles étaient en bois. Et comme vous le savez, le bois et le climat tropical et autres. Donc là, il y a eu une véritable avancée. Puis, à partir du moment où on avait des structures en métal, on a pu faire des architectures beaucoup plus importantes. Et ça, pour l'horticulture et l'acclimatation des plantes, ça a été extrêmement important. Une autre serre qui a été faite par Richard Turner, 1843-1847, c'est ce qu'on appelle la serre curviligne, un monument architectural, c'est absolument splendide. Et aujourd'hui, dans cette serre, eh bien, on y cultive une collection de plantes très intéressantes qu'on appelle les rhododendrons Virea. Donc les rhododendrons Virea, pour faire simple, si vous voulez, le berceau, enfin un des berceaux de diversification des rhododendrons, c'est la Chine, Yunnan Sichuan. À partir de cet endroit, un berceau, donc entre guillemets, un des endroits où ils sont nés, ou en tout cas où ils se sont diversifiés, il y a eu toute une colonisation en direction de l'Amérique du Nord, avec toute une série d'espèces différentes. Il y a eu toute une série d'espèces qui sont parties en direction de l'Europe, et en France, dans les Alpes, surtout vous en Haute-Savoie, vous savez, vous avez deux espèces, Ferruginerum et Hirsutum, il y a quelques petites populations. Et puis il y a eu un troisième groupe, surtout, qui est parti en direction de l'Indonésie, et il y en a même un petit peu dans le nord de l'Australie, et c'est une section particulière qu'on appellerait un peu des rhododendrons tropicaux, si vous voulez. Et c'est le groupe des Virea. Donc c'est des rhododendrons extrêmement intéressants, très très beaux, mais par contre, en termes de culture, c'est des plantes assez dures à tenir en culture. Et à Dublin, mais ils ont des spécialistes du sujet, et ils ont une serre entièrement dédiée à ça. Et donc on a au Jardin botanique, à Lyon, une personne qui, depuis maintenant presque 15 ans, 97, donc c'est pas 15, ça fait combien ça? Ça fait 18, 17, eh bien s'est passionnée pour les rhododendrons Virea, et il fait des expéditions scientifiques, notamment en Papouasie-Nouvelle-Guinée, parce qu'il y a beaucoup d'espèces là-bas sur place, et puis surtout que c'est encore un territoire, hein, je pense que c'est important de le dire, il y a encore énormément de territoires sur la planète, notamment en Papouasie-Nouvelle-Guinée, sur lequel on a quasiment aucune donnée botanique. Donc il reste encore des terrains incognita, des terrains sur lesquels il y a énormément de plantes à découvrir. Et lui s'est fait une spécialité de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et notamment de ses rhododendrons Virea. Alors vous voyez, il a décrit, je crois qu'il doit en être à sa cinquième ou sixième espèce décrite dans le domaine des rhododendrons. Alors celle-ci, j'ai une petite anecdote personnelle, s'appelle Dutartrey, et Dutartrey, c'était un des agents, un des grands botanistes qu'on a eu à Lyon au Jardin botanique. Et donc, ce rhododendron Virea lui a été dédié. Donc vous voyez, encore toute une série de territoires qui sont assez peu connus. Alors, dans les explorateurs, y en a un que je voulais citer. Je pense que certains le connaissaient, et ça me fait plaisir de le citer, parce que c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. On devait normalement, là, au mois de mars,
une équipe du jardin alpin du Lautaret et une équipe du jardin botanique de Lyon. En fait, on devait être ensemble en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour aller étudier des plantes en coussinets. Vous savez, dans les montagnes, un peu comme les silénacoles ou les androsaces, il y a des plantes qui vivent en coussinets. Eh bien, c'est une forme végétale, une forme de plante un peu particulière. Et derrière tout ça, eh bien, Oh là, qu'est-ce que je fais ? Voilà. Et donc, ce botaniste Serge Aubert, eh bien, en fait, était une personne qui étudiait beaucoup la génétique et comment, à travers des sélections et des gènes, eh bien, on était passé de plantes avec ces formes en coussinets. Voilà. Et donc, on devait aller en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour aller faire des collectes de matériel de plantes en coussinets sur les sommets des montagnes de Papouasie-Nouvelle-Guinée pour qu'ils puissent commencer à voir quelles étaient les caractéristiques génétiques, entre guillemets, de ces plantes en coussinets et quels étaient surtout, c'est là que c'est intéressant, quels étaient les parents, d'où dérivaient ces parents ancestraux qui n'étaient pas en coussinets. Et avant de lancer cette étude sur les plantes en coussinets, eh bien, Serge Aubert avait exploré énormément de montagnes du monde et un de ses sujets, cette fois, ce n'était pas les plantes en coussinets, mais c'est quelque chose d'assez proche, eh bien, regardez, c'est un groupe de plantes très intéressant qui sont des plantes de montagne. Donc ça, c'est en Équateur, c'est dans le nord de l'Équateur. Ça, c'est à Hawaï, c'est dans le cratère du Haleakala, sur l'île de Maui. Et ça, c'est le pic de Teide, donc aux Canaries. Eh bien, ses études à lui, c'était de voir comment, dans différents endroits du monde, eh bien, à travers la sélection, au sein de différentes familles, ça, c'est une Boraginacée, ça, c'est deux Astéracées, eh bien, étaient apparues ces plantes avec des formes particulières qui, sur les différents continents, dans différentes familles, avaient pris cette forme-là. Donc, vous voyez, c'est une forme d'exploration, mais cette fois-ci pour revoir un petit peu la genèse au niveau moléculaire, au niveau évolutif de ces plantes particulières. Et comme il avait presque terminé ses études sur ce groupe de plantes, eh bien, l'étape d'après, c'était la même chose, mais sur les plantes en coussinets. Et malheureusement, il est décédé au mois de février dernier à Grenoble. C'était un voisin à vous. Alors, je vous ai parlé de Richard Turner. Alors, Richard Turner, il fait ses serres donc, en Irlande. Il en a fait également à Kew Garden. Et puis, alors, il a une personne qui va également beaucoup compter dans l'acclimatation des plantes. C'est Joseph Paxton. Alors, je vous le fais en très court. 1851, première exposition universelle à Londres. Le monde entier vient exposer. Et il crée une structure absolument incroyable qu'on appelle le Crystal Palace que vous avez en haut. Et alors là, le monde entier voit des structures de verre et de fer. Et alors là, il y a un engouement dans toute l'Europe pour construire des serres monumentales. Et ce Joseph Paxton, eh bien, qui était également jardinier, il était architecte, mais à la base, il était jardinier, eh bien, il va continuer de construire des serres. Il a même fait un château de Ferrières dans la région parisienne. Et puis, dans les années 1840, donc, vous voyez, on est à peu près à la même époque, on découvre d'Orbigny, donc un explorateur français, découvre dans le nord de l'Argentine eh bien, une plante extraordinaire, on appelle la Victoria, une espèce de nénuphar géant, porte qui sera dédiée à la reine Victoria. Alors, il y a un engouement autour de cette plante absolument phénoménal. Et Joseph Paxton eh bien, va créer une serre particulière pour abriter et pour cultiver les Victoria. Et là, pareil, il y a un engouement à l'échelle européenne et il y a énormément de serres à Victoria qui sont créées partout en Europe. Alors, vous voyez, là, vous en avez... Ça, c'est celle de Kew, ça. Hein. En bas à gauche, c'est celle de Kew. Ça, c'est dans un jardin en tropique. Et puis là, j'ai pas pu résister de vous le mettre. Il y a un projet actuellement de reconstruction du Crystal Palace. Ça, ce serait absolument extraordinaire. Mais bon, je sais pas si ça va se faire un jour. Et donc, comme je vous disais, ben, des serres à Victoria pour abriter cette découverte de 1840. Là, je vous ai mis celle de Copenhague. Il ne faisait pas beau le jour-là, je suis désolé. Et puis à Lyon. Ben, Lyon, bien entendu, Lyon qui voulait absolument avoir sa Victoria, eh bien, va créer également une serre à Victoria. Donc là, vous avez la serre d'origine. Voilà. Et puis ça, c'est telle qu'elle se présente aujourd'hui. Et puis ça, c'est une carte postale de l'époque. Et puis ça, c'est l'article, en 1897, dans une revue horticole, c'est la première publication de la Victoria. Alors c'est intéressant parce que
En fait, la délibération du conseil municipal dit « Vous vous rendez compte, dans toute l'Europe, les gens ont des serres à Victoria, Lyon est à la traîne, c'est pas normal qu'on puisse pas avoir une serre à Victoria, il faut vraiment qu'on en ait une, etc. etc. » Et donc, du coup, c'est grâce à ça que cette serre est construite. Donc, des serres, on en construit énormément, vous voyez, jusqu'au Danemark, à Copenhague, des serres monumentales dans lesquelles on arrive à faire cultiver des plantes tropicales. Des serres extraordinaires, ça c'est Schönbrunn, donc ça c'est en Autriche. Des serres d'un point de vue architectural absolument superbes. Et puis ces serres, malheureusement, comme vous l'avez compris, donc l'engouement commence vers 1850, la plupart d'entre elles sont construites vers 1870. Malheureusement, il y a beaucoup d'entre elles qui disparaissent, sont des structures extrêmement fragiles, qui ont des coûts d'entretien très très importants, et certaines disparaissent. Il y en avait en France, il y en avait énormément. Et pour les villes qui continuent de les entretenir, là c'est à Berlin, c'était il y a une dizaine d'années que j'ai fait ces images, quasiment tous les 30 ou 40 ans, il faut entièrement les revoir, donc ça coûte des sommes assez considérables. Et puis, lorsqu'on refait des serres de ce type-là, parfois certaines plantes, on arrive à les transplanter durant la durée des travaux, parfois on les laisse en place et on fait les travaux par-dessus, et puis dans certains cas, on est obligé de composer. Et j'ai voulu vous montrer un petit exemple que j'ai beaucoup aimé, et c'est à Berlin, ça c'est la rénovation de la serre de Berlin. Le Welwitschia, donc cette plante ici, Welwitschia mirabilis, donc c'est une plante qui est découverte par un Autrichien, donc la plante s'appelle Welwitsch, et la plante rend hommage Joseph Hooker rend hommage à son découvreur Welwitsch. Elle vit aujourd'hui en Namibie, à partir du centre de la Namibie jusqu'au sud de l'Angola. Et c'est une plante absolument extraordinaire. J'ai eu la chance d'aller la voir. C'est certainement une de mes plus belles herborisations depuis 30 ans. C'est dans un désert de quartz. Enfin, en tout cas, dans la partie sud. Quand c'est en Angola, c'est un peu plus des milieux herbeux. Mais là, c'est quasiment un désert lunaire. Et vous avancez quasiment pendant 50 km. À un moment, il n'y a plus rien du tout. Et vous continuez. Puis tout d'un coup, vous tombez sur un champ de Welwitschia. Il y en a un ici, il y en a un autre là. La plante, en termes d'évolution, sa place dans la systématique, c'est une place assez particulière. La plante elle-même est spectaculaire, elle peut vivre plusieurs millions d'années. Donc l'herborisation est spectaculaire, le biotope est spectaculaire, sa place dans la systématique est spectaculaire et sa longévité et son mode de croissance est particulier. Donc c'est vraiment un truc absolument unique. Et dans les spécificités de cette plante, c'est qu'elle a, entre autres, regardez, une racine extrêmement traçante, très 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 profonde. Et bien entendu, lorsque vous avez un Welwitschia, j'ai malheureusement oublié de faire l'image. Là, c'est l'endroit, il y a une serre entièrement dédiée que à la Welwitschia. Quand vous avez une plante comme ça, elle est tellement fragile et tellement implantée que vous êtes obligé de composer et de faire tout l'entretien de votre jardin et votre serre sans toucher la plante, parce que si vous la touchez, elle meurt. Alors, ce patrimoine végétal dans les jardins botaniques, il est extrêmement important. Regardez les chiffres. Regardez, dans certains cas, vous avez quand même... Wisley Garden, c'est beaucoup des plantes horticoles. Mais regardez, Édimbourg, vous avez quand même le fruit de toute cette exploration, parfois 20 000, 25 000, 30 000 plantes différentes. Alors, comme je vous le disais, ça peut être aussi bien des collections d'ordre botanique. Là, c'est la collection de cactus à Metz, ou alors des collections plus horticoles. Donc, en général, dans les jardins botaniques, on a les deux. Comme je suis fonctionnaire municipal de la ville de Lyon, je me dois de parler de la structure pour laquelle je travaille. Donc Lyon a été dans cette émulation, bien entendu. Et là, vous avez la grande serre du jardin botanique, donc 21 mètres de haut. Et puis, on a aujourd'hui 33 serres. Donc 33 serres égale 33 ambiances, donc 33 climats qui représentent un certain nombre des climats de notre planète. Il vous reste 25 minutes. Très bien. Alors, on a parlé des évolutions technologiques pour la construction des serres, mais l'évolution technologique, elle a continué. Et il y a toujours des jeux. Dès qu'on découvre quelque chose de nouveau, il y a des adaptations dans différents domaines, notamment notre domaine à nous. Et on a créé à un moment des lumières artificielles qui ont permis, entre autres, aux botanistes et aux jardiniers de pouvoir cultiver des plantes souvent extrêmement délicates grâce à l'ajout de lumière au moment où c'était nécessaire. Un exemple, là c'est pour des plantes d'Afrique du Sud. Les plantes d'Afrique du Sud ont presque toutes une inversion, c'est-à-dire qu'elles fleurissent au mois de septembre, c'est-à-dire comme le printemps en Afrique du Sud,
Eh bien, chez nous, dans les jardins botaniques, ces plantes d'Afrique du Sud bulbeuses, eh bien, elles refleurissent au mois de septembre comme elles fleurissent dans la nature. Sauf que nous, à partir du mois de septembre, on est dans des lumières descendantes, et en Afrique du Sud, on est dans des lumières ascendantes, en termes de durée. Et donc, nous, pour pouvoir bien cultiver ces plantes, il faut qu'on rajoute de la lumière pour leur donner des conditions de culture optimales. Et donc, grâce à ces avancées technologiques, eh bien, on arrive à mieux cultiver ces plantes aujourd'hui. Alors ça, c'est une serre que j'ai beaucoup aimée. C'est la seule que je connaisse dans ce type-là. C'est pour cultiver des plantes arctiques. Donc, il y a eu une mission de nos collègues du Palmen Garten de Francfort. En 1984, ils ont fait une expédition en Nouvelle-Zélande pour y collecter des plantes et ils ont voulu les présenter au public. Et alors, regardez, ils ont fait une serre pour éviter le problème de l'effet de serre, hein, qui éventuellement, pendant l'été, va faire surchauffer la serre. Eh bien, le vitrage est quasiment noir. Le vitrage est quasiment noir pour éviter l'excès de chaleur qui tuerait toutes ces plantes qu'ils avaient collectées lors de leur expédition en Nouvelle-Zélande. Là, je suis gêné d'en parler devant Francis. Hein. C'est lui qui en parlerait beaucoup mieux que moi. Mais dans les évolutions technologiques, il y a eu, comme je vous le disais, énormément d'avancées. Je crois que c'est 30 ans. Enfin, je laisserai évoquer le sujet. Mais en tout cas, c'est intéressant que de montrer qu'à travers une évolution technologique comme le radeau des cimes, eh bien, on a pu avoir accès à la canopée et pouvoir faire des découvertes. Donc c'est à nouveau une avancée technologique qui a permis eh bien, de faire avancer l'exploration botanique. Une autre avancée qui, moi, m'impressionne toujours, c'est qu'aujourd'hui, on a des GPS quand on fait de la botanique, enfin, en tout cas pour certains d'entre nous, et on est au milieu d'une forêt ou dans un endroit absolument désertique. Et aujourd'hui, à travers ce réseau GPS, eh bien, lorsqu'on collecte une graine ou on collecte un échantillon d'herbier, eh bien, on est capable de prendre le point GPS et après, on retrouvera, si vous avez le point GPS, par exemple, d'un échantillon d'herbier, eh bien, vous notez le point GPS, eh bien, vos collègues qui reviendront dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, ils auront précisément la coordonnée GPS, ils avanceront avec leur GPS et ils iront retrouver précisément, à quelques mètres près, exactement l'endroit où la plante avait été collectée. Vous voyez, ça, c'est une avancée technologique qui est bien entendu pour la route, mais qui a également des conséquences pour l'exploration botanique. Alors, c'est un peu l'équivalent de ce que j'ai montré tout à l'heure pour Alexandre le Grand, mais dans un autre contexte et une autre époque. Je voulais vous parler de Léopold II de Belgique, donc roi de Belgique, qui veut avoir, comme d'autres, des territoires en Afrique. Et donc, il va embaucher Stanley, le fameux Stanley de Livingstone, hein, Stanley et Livingstone, qui va aller explorer pour son compte le Congo, va prendre possession d'un certain nombre de territoires, il va créer une association particulière, l'Association internationale africaine, et donc bien, la Belgique va prendre possession d'un grand territoire qui s'appellera le Congo, qui deviendra la propriété personnelle de Léopold II de Belgique. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que Léopold II donc, allait périodiquement au Congo. Il vivait à Laeken. Donc Laeken, c'est dans la banlieue de Bruxelles, dans un grand parc avec un énorme château. Et il voulait retrouver un petit peu de son Congo lorsqu'il était à Laeken. Et donc, il va construire des serres. Oula, ça a passé. Il va construire des serres. Bon, on peut la laisser. Il va construire des serres qui, aujourd'hui, sont, je crois, pour ceux qui les ont vues, je crois, les plus belles serres du monde. Elles sont absolument extraordinaires. D'un point de vue architectural, c'est de la dentelle. Elles font 28 mètres de haut et il y abrite un certain nombre de ses collections. Et il existe encore certains des végétaux qu'il avait introduits de l'époque du Congo. Là, vous avez un dessin de Stanley lors de son voyage. Voilà, ça c'est l'intérieur des serres de Laeken, une plante extraordinaire, Cibotium regale. Une fougère du Mexique. Voilà. Un des éléments qu'il avait exigé à sa mort, c'est qu'on devait conserver intact les paysages, les plantes et autres. Donc il y a toute une équipe qui entretient l'intérieur des serres de Laeken. Et quand vous entrez dans ces serres-là, vous avez l'impression d'être transporté à la fin du 19e siècle. Voilà. Alors, ça, c'est quelque chose, je vais malheureusement passer rapidement, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. Les explorateurs, on a la vision occidentale des explorateurs, mais il n'y a pas que nous qui avons exploré. Hein. Et il y a un personnage que j'aime beaucoup, c'est Chêne Reux. C'est un explorateur du XVe siècle
qui a fait des explorations durant la dynastie Ming. Et il est parti de Chine, il est allé jusqu'en Afrique, il est allé en Indonésie, il est allé au Japon, il est allé dans énormément de pays du monde, il a fait énormément de découvertes. C'est quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément. Bon, il y a eu, il y a quelques années, le 600e anniversaire. Et on lui doit, par exemple, regardez, ça c'est une... Donc ça, c'est lui. Et il est allé en Afrique, il est allé vers Zanzibar, Kenya, Somalie, et il a ramené en Chine la première girafe, qui a bien sûr été, qui a bien sûr été dessinée. Oui. Il a été le premier à dessiner la carte de Madagascar, mais c'était des voiliers avec du bambou. Toutes les voiles étaient faites de bambou, le pape du bambou. D'accord, merci. Puis alors, ce qui est extraordinaire, c'est que... Mais là, je dérive, mais bon, je ne peux pas m'empêcher, je suis désolé. Ça, lorsqu'il ramène la première girafe en Chine, il y a une émulation extraordinaire. Et comme vous le savez, on a eu la même chose avec Zarafa, qui est arrivé et qui est monté jusqu'à Paris. Il y a eu des expositions, etc. Voilà. Donc, pour vous dire qu'on a une vision d'explorateur qui est la nôtre, avec nos grands noms à nous, mais il y a eu dans d'autres pays du monde deux grands, grands, grands explorateurs. Alors, je vais passer rapidement, mais quand même, c'est important. Alors, je fais le parallèle Belgique-cacao. Là, vous voyez, je passe d'une idée à l'autre. Hein, bon, pourquoi pas. Alors, la découverte du cacao, donc par Christophe Colomb, qui accoste au Nicaragua, qui découvre les premiers cacaoyers, qui les rapporte. Donc, une découverte qui pourrait paraître éventuellement anodine, sauf qu'on sait aujourd'hui que le cacao, ça a été absolument pas une collecte anodine. Dans le domaine des explorations, une idée qui me tient aussi à cœur, c'est que tous ces explorateurs, 16e, 17e, 18e, même un petit peu 19e, on est dans de l'exploration où, lorsqu'on fait des découvertes botaniques, il y a des enjeux considérables, parfois d'un point de vue économique. Le palmier à huile, l'EVA, le café, le cacao. Il y avait une valeur industrielle de certaines découvertes botaniques qui, aujourd'hui, sont extrêmement importantes. Donc, aujourd'hui, on connaît beaucoup mieux les choses. On est plus dans l'Internet, la technologie... les mines d'uranium ou autres, mais ces explorations botaniques, c'était, il y avait une dimension bien sûr scientifique, mais il y avait une dimension parfois industrielle extrêmement importante. Voilà, regardez, les billets de banque, donc, c'est des fèves de cacao, et ça c'est une boque de cacao. Alors, c'est tellement important, bah, regardez, que la production mondiale de cacao, regardez, hein, 2002 jusqu'à aujourd'hui, regardez, la production ne fait qu'augmenter, on consomme de plus en plus de cacao. Alors, le premier producteur mondial, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui n'est pas du tout la terre d'origine du cacao, puisque, comme je vous l'ai dit, ça vient d'Amérique centrale, et même plus exactement d'Amérique du Sud. Par contre, un élément important, c'est que depuis 2002, regardez, la production passe de 480 kg par hectare, et aujourd'hui, on est à peine à 460, donc ça baisse un peu. Et donc, en fait, il y a des programmes de recherche, il y a des attaques parasitaires, il y a tout un tas de problèmes sur les cultures de cacao. Et du coup, comme il y a des enjeux économiques extrêmement importants, eh bien, il y a des expéditions scientifiques qui sont lancées, regardez, pour retourner dans les pays d'origine, pour aller faire des études génétiques, pour savoir s'il n'y aurait pas des gènes à récupérer, dans le domaine de la tomate, dans le domaine du cacao. Alors, du coup, on a identifié, regardez, toute une série... d'origines différentes, qui souvent sont des barrières biogéographiques ancestrales qui ont été identifiées. Et vous voyez, par exemple, ce qu'on a, nous, beaucoup, c'est les collectes de Cortés et de Christophe Colomb. Donc, on est plutôt dans du criollo. Mais en fait, regardez, la diversité génétique au sein des cacaoyers, eh bien, c'est plutôt en Colombie qu'il y en a le plus. Donc, on est allé, cette fois-ci, faire des expéditions scientifiques, mais pour faire du sourcing au niveau génétique. Alors, regardez, on fait des arbres ensuite phylogénétiques, et tout ça, ça a le but... de mieux connaître et de résoudre les problèmes de production. Autre petit exemple, c'est la tomate. La tomate, pareil, plante américaine, découverte. La collection nationale se trouve aujourd'hui au château de la Bourdaisière, donc pas très loin de chez Alix, à côté de Blois. Comment c'est la ville ? Amboise. Amboise, pardon. Dans lequel il y a à peu près 750 variétés. Donc la première introduction, ben, on la connaît, c'est les Espagnols qui découvrent ça. Qui en rapporte, et puis à partir de là, ben on va créer, on va hybrider, sélectionner les Espagnols, les Italiens, les Français, ensuite ça va repartir aux États-Unis. Enfin, il y a tout un programme de sélection. Pareil, regardez, la production mondiale de tomates par rapport à cette découverte, eh bien, elle augmente considérablement, les rendements augmentent. Les premiers producteurs, ben, c'est tout ce qui est produit sous serre,
C'est une plante, une des plantes aujourd'hui au niveau alimentaire les plus importantes à l'échelle mondiale. Elle est tellement importante qu'il y a eu le séquençage complet du génome de la tomate qui a été fait. Et on est allé faire le même principe que pour le cacao. On est allé faire du sourcing, donc on est allé étudier toutes les espèces de tomates. On a retrouvé quels étaient les parents, les trois parents de nos différentes tomates. On a vu leur répartition, on a fait le lien entre leur répartition et leur écologie. De là, on a fait des analyses génétiques. On a vu que c'était Solanum lycopersicum serraciforme, l'espèce lycopersicum type, et puis Perpinellifolium. Et en fait, le patrimoine génétique de nos tomates aujourd'hui, de toutes nos variétés, eh bien, se retrouve dans ces trois espèces. À partir de là, on a donc séquencé l'ensemble du génome. On a pris des dizaines de cultivars, américains, européens, chinois, etc., etc. Et aujourd'hui, on est capable, regardez, c'est le slide d'après. Donc c'est très moderne, hein, ce sont des choses de 2012, hein, ça a à peine 3 ans. Eh bien, on est capable aujourd'hui, cultivar par cultivar, de vous dire de quel endroit du monde ce cultivar, ce gène, ben son père se trouvait en Colombie, son père se trouvait en Équateur, son père se trouvait à tel endroit. Pour vous montrer, entre la découverte de Cortés jusqu'à aujourd'hui, le gap qu'on a franchi en matière d'exploration botanique. Mais cette fois-ci sur la base du génome. On a même identifié les différents gènes et on sait exactement à quel endroit ils agissent dans nos différentes variétés de tomates, et on sait même quel est le parent qui a été le fournisseur de cette chose. Alors, quand on parle des explorateurs botanistes, on ne peut pas ne pas parler, bien sûr, des jardins d'acclimatation. Il y en a un certain nombre à travers le monde. Nous, un des plus importants pour nous, ben, c'était l'île Maurice, le jardin Pamplemousse. Et puis, un illustre personnage, qui est Pierre Poivre, bien entendu. Pierre Poivre, qui a beaucoup travaillé justement sur, pour le royaume de France, pour le roi, sur justement ramasser le maximum de plantes qui pouvaient avoir l'intérêt industriel. Donc il a créé le jardin Pamplemousse, c'est un lyonnais. Hein, donc là vous avez la maison qu'il avait à La Fretta, qui malheureusement a été détruite aujourd'hui, mais on a retrouvé des plans de la maison de Pierre Poivre. Donc il y a son buste. Lorsque l'on va au jardin Pamplemousse, on retrouve aujourd'hui le buste de Pierre Poivre. Ça, c'est la maison, elle a été reconstruite aussi, ça s'appelait la Villa Montplaisir, dans laquelle il a travaillé. Et c'est là qu'il a rencontré, donc, lors de son passage, le fameux Philibert Commerçant, qui est un illustre personnage, dont on pourra reparler si vous le souhaitez, avec son valet, qui, comme vous le savez, puisqu'on en avait parlé il y a 3 ans, était en fait Jeanne Barret. Voilà. Il vous reste 10 minutes. Donc un travail scientifique, Bougainville rentrera en France, Philibert Commerçon restera et fera l'exploration de l'île de la Réunion. Il ira, je crois, à Fort Dauphin également, et puis il décrira toute une série de plantes. Il y a beaucoup de ses recherches et de son matériel qui se retrouvent aujourd'hui à la Phanérogamie à Paris. Il a entre autres notamment travaillé sur les palmiers qu'il aimait beaucoup. Alors ce type d'exploration, eh bien, ça continue. J'ai pu aller 2 fois à Madagascar, et lors de mon premier voyage en 2002, ben, on a pu ramener un certain nombre de plantes de Madagascar, et le Premier ministre de Madagascar est venu à Lyon, puisque aujourd'hui on est à la fois dans un jardin botanique, dans une recherche de présentation touristique, et parfois de sauvegarde de certaines espèces. Donc on a décidé de créer un secteur qui présente des plantes de Madagascar. Alors, Commerçon, il a beaucoup travaillé dans les plantes, mais il a également travaillé dans les poissons. Donc, c'est l'holotype qui se trouve au Muséum de Paris, de l'Antenarius Commerçoni. Voilà, dans les explorateurs botanistes à Madagascar, mais Lucille en parlera 10 fois mieux que moi. Il y a un personnage que j'aime beaucoup, parce qu'il y a plein d'anecdotes à raconter sur lui, c'est Werner Rao, c'est un Allemand. Et puis, il y a une superbe anecdote, mais bon, si on a le temps, je vous la raconterai, sur la découverte de la Ludopsis madariana. Là, il y a une petite plante bulbeuse dont le nom de genre est dédié à Rao, à Werner Rao, donc qui était à Heidelberg. Et puis pour vous dire aussi que dans les explorateurs, il y a à la fois des explorateurs qui sont envoyés par des institutions scientifiques,
Il y a des explorateurs qui peuvent être des particuliers, et puis parfois il y a des mécènes. Il y a des mécènes, et en l'occurrence, Werner Rao a eu, entre autres, comme mécène, le propriétaire de ce château, qui était M. Marnier l'Apostole, Julien Marnier l'Apostole, qui a financé parfois certaines explorations. Madagascar, donc, ça continue les explorations. Il y a encore énormément de plantes à découvrir. Lucille pourra en parler 10 fois mieux que moi. Eh bien, pas plus tard qu'aujourd'hui, on a une équipe de 2 personnes, un monsieur qui s'appelle Duruisseau et quelqu'un du Jardin Botanique de Lyon, qui s'appelle Evelyne Bouquet. Ils prennent l'avion aujourd'hui et ils vont à Madagascar pour repartir sur les traces d'un particulier qui s'appelle M. Henri Laporte, qui a collecté énormément de plantes, qui est mort en 2001. Et dans ces collectes de plantes vivantes, eh bien, il y a un certain nombre d'espèces qui étaient nouvelles. Donc, il y en a une qui va bientôt être décrite, un bégonia, qui lui sera dédié d'ailleurs, qui s'appellera bégonia Henri Laportei. Et donc, ils vont refaire un voyage sur ces traces. Ça, c'est un échantillon d'herbier qui est à la Fanero, voilà, mais qui, en fait, a été nommé Nana, mais en fait, ce n'est pas Nana, c'est celui-ci. Donc, il s'appellera Henri Laportei. Alors, je sais qu'il me reste peu de temps. Je voulais dire quelque chose par rapport à ça, qui est une des valeurs qui me tient beaucoup à cœur, et puis il y aura peut-être un débat sur le sujet, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un comme Jacky Duruisseau, c'est un particulier. Ça, c'est quelqu'un qui, chez lui, avait une autre profession, et en fait, aujourd'hui, il, sur ses deniers personnels, à travers tout ce dont je vous parlais, les réseaux Internet, il a accès à une bibliographie considérable. À travers Internet, il peut échanger avec les meilleurs spécialistes du monde. Aujourd'hui, avec 700 euros, vous prenez l'avion et vous allez à Madagascar. 700 euros, c'est plus grand-chose. 10 heures d'avion, on n'est plus dans des escales à 30-40 heures. Donc aujourd'hui, un particulier, je prends son exemple à lui, Jacky Duruisseau, eh bien, il est capable de faire de vraies expéditions à partir du moment où il a la formation intellectuelle et la rigueur suffisante, avec des moyens financiers assez faibles, on est capable aujourd'hui, et donc tout un chacun peut faire des expéditions botaniques. Donc, est-ce qu'il est pertinent, pas pertinent, que 5000 personnes voyagent à travers le monde faire des expéditions? Je ne sais pas, mais en tout cas, aujourd'hui, à travers un certain nombre des avancées technologiques, beaucoup de gens peuvent voyager, beaucoup de gens peuvent faire des explorations botaniques. Bon. Je voulais vous évoquer ce petit élément. Bougainville, j'en parlerai pas. On en a parlé il y a 3 ans, mais je vous montre quand même une petite image. C'est que c'est un personnage qui me tient beaucoup à cœur. Alors, heureusement, j'ai la chance de... Encore un peu de temps pour vous parler d'eux. Pour moi, eux, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. La colonisation de l'Océanie, il y a 2 grands courants. Il y a un courant, à peu près, il y a 40 000, 50 000 ans, qui arrive, donc, bien entendu, de la corne de l'Asie. Ça, c'est la première. C'est pas vraiment dans notre thème, c'est des chasseurs-cueilleurs. Donc, c'est des gens qui cultivent pas. Et puis, ensuite, il y a une deuxième colonisation qui part de Chine, qui part de Taïwan. Ils vont coloniser quasiment tout le Pacifique. C'est un truc extraordinaire. C'est des gens qui étaient dans des pirogues, qui étaient des éleveurs et qui étaient des cultivateurs, des agriculteurs. Et ils partaient, ils ont conquis l'ensemble du Pacifique. Et sur leurs pirogues, eh bien, ils avaient, aujourd'hui, ces choses-là sont assez connues, 40, 50 plantes, c'est-à-dire leurs plantes alimentaires, médicinales, symboliques, condimentaires. Et ils ont, à travers des expéditions qu'on a du mal à imaginer, réussi à coloniser l'ensemble du Pacifique. Et ces gens-là, donc, qui étaient des éleveurs et des agriculteurs, bien entendu, lorsqu'ils avançaient, ils ne partaient pas sans rien, ils partaient avec les plantes dont ils avaient besoin pour vivre. Et ils ont traversé l'Atlantique, le Pacifique, c'est un truc complètement dingue, des milliers de kilomètres, partaient en pirogue. Pour moi, dans les explorateurs botanistes, il y en a vraiment qui m'impressionnent le plus à l'échelle mondiale, c'est ces explorations botaniques qui ont permis la colonisation de ces îles isolées du Pacifique. Ça commence en Chine et à Taïwan il y a 6000 ans à peu près. Il y a 6000 ans. Pour la seconde phase. Et la première phase, c'est entre 40 000 et 50 000 ans. Alors ça commence il y a 6000, puis après ça fait moins 3000, moins 2000, moins 1000, etc., etc. Voilà. Et puis une des plantes qui voyageait avec eux, eh bien, c'est le fameux tiare, qui est une plante extrêmement importante, Gardenia tahitensis, qui est encore une plante aujourd'hui très importante dans la culture polynésienne. Alors, exploration français, et puis à l'inverse, puis en complément, les Anglais en font énormément aussi. Bien entendu, James Cook, hein, dont on se doit de parler. James Cook qui mourra sur l'île de Kauai, donc lors de son 3e voyage autour du monde. Alors, j'aime aussi beaucoup Bougainville, parce que
dans le domaine de l'exploration botanique, c'était également quelqu'un qui était très humaniste. Lorsqu'il rencontrait une autre peuplade, il n'était pas dans la prise de possession, dans le prendre l'ascendant, le pouvoir. C'était quelqu'un qui était vraiment dans la rencontre des civilisations. Et ça, dans le domaine de l'exploration, c'est quelqu'un qui, je trouve, était assez admirable. Alors, Banks deviendra ensuite le directeur du jardin botanique de Kew Garden. Et alors aujourd'hui, à Kew Garden, eh bien regardez, donc ça c'est mon endroit préféré à Kew Garden. Voilà, c'est le plus bel endroit du monde pour moi, à Kew Garden. C'est la salle où on voit les dessins des explorateurs dans leur milieu naturel. Je vous invite à aller voir. Et puis alors surtout aujourd'hui, vous savez, on a des menaces sur les plantes. Il faut savoir qu'il y a un programme qui a été lancé il y a plus d'une dizaine d'années, piloté par Kew Garden, projet qu'on appelle la Millennium Seed Bank, où il y a des gens qui vont collecter à l'échelle mondiale des plantes et des plantes et des plantes pour créer un conservatoire. Comment ? Ah, des graines, pardon, excusez-moi, oui, des graines, bien entendu, qu'on met dans des chambres froides selon des protocoles très très particuliers. Et il y a énormément d'explorations botaniques qui sont faites aujourd'hui dans le cadre de la création de cette Millennium Seed Bank. Voilà, bon, Banks va introduire en Europe les acacias. On sait ce que sont devenus dans certains cas. Vous voyez la plante dans sa répartition naturelle. Et en haut, c'est le massif du Tanneron. Le massif du Tanneron, c'est un massif du sud de la France qui est entièrement recouvert de mimosa. Et puis, je finis là-dessus. Dans les explorations botaniques, eh bien, il y a également tout un chacun qui font de l'exploration botanique. Ça, c'est des rangers à Hawaï, dans le parc national des volcans d'Hawaï. Eh bien, ce sont des gens qui continuent, cette fois-ci plus dans la description de nouvelles espèces, mais dans la sauvegarde de ce patrimoine végétal. Et alors, il y a une plante qui m'impressionne énormément. C'est une plante qui est directement en lien avec les explorateurs. Ça s'appelle Hibiscus delphus, donc c'est une malvacée. C'est proche des hibiscus, si vous voulez. C'est un genre endémique de Hawaï. Alors, il y a quelques espèces. Alors, Hawaï, aujourd'hui, c'est à peu près 1000 plantes différentes. Ces 1000 plantes, grâce à des études génétiques, on a réussi à savoir que c'était le fruit de 300 introductions. Ces 300 introductions ont fait du rayonnement évolutif et ont abouti à la flore spontanée de 1000. Je ne sais pas si c'est clair que je vous dis. C'est les 300 qui ont réussi à arriver au cours des différents millions d'années à coloniser l'archipel de Hawaï. Et à partir de cette première plante introduite, eh bien, cette plante a évolué et a donné un certain nombre de nouvelles espèces. Ça, c'est des choses qui sont assez connues aujourd'hui. Et parmi les malvacées, il y a le genre Hibiscus delphus qui a été créé avec plusieurs espèces. Le problème de l'Hibiscus delphus, c'est quoi ? C'est qu'on a introduit le paludisme aviaire. Le paludisme aviaire, il a fait disparaître 70% des oiseaux de basse altitude endémiques de Hawaï, qui avaient souvent des becs assez longs, qui étaient des très très bons agents pollinisateurs. Donc toutes ces plantes avec des grands tubes, notamment dans les campanulacées, qui étaient pollinisées par ces agents pollinisateurs, il n'y a plus de pollinisateurs, donc il n'y a plus de graines. Et s'il n'y a plus de graines, il n'y a plus d'espèces. Donc il y a plein d'espèces qui ont disparu. Les espèces d'oiseaux ont entraîné la disparition des espèces de plantes. Et dans le cas des Hibiscus delphus, en plus de ce premier problème, il y a eu un autre problème, c'est l'introduction des rats. Les rats, il y avait des rats sur les bateaux, donc les navigateurs ont malencontreusement introduit des rats dans énormément d'îles à l'échelle mondiale. Et alors, cet Hibiscus delphus, il n'avait plus d'agents pollinisateurs, mais il y avait quand même un petit pourcentage d'auto-pollinisation, donc les fruits réussissaient à se former. Et le problème, c'est que le fruit, lorsqu'il tombait sur le sol, mais il était mangé par les rats. Donc aujourd'hui, cet Hibiscus delphus, eh bien en fait, il est potentiellement mort et il ne subsiste, il est réintroduit dans la nature dans quelques endroits, mais en fait, cette plante-là, aujourd'hui, dans le contexte de Hawaï, eh bien, elle est incapable de vivre au sol. C'est l'homme qui fait du jardinage dans la nature pour pouvoir continuer de maintenir cette espèce en vie, puisqu'elle n'a plus de pollinisateurs et toutes ses graines sont consommées par les rats. Voilà, donc là, et ça, c'est le fruit. C'est le fruit dans la nature. Bon, d'autres exemples d'exploration botanique, ça c'est Pelargonium cotylédonis, c'est une plante de l'île Sainte-Hélène. Le Canadron argenteum, c'est une plante endémique de la montagne de la Table en Afrique du Sud. Donc il y a aujourd'hui beaucoup d'explorations botaniques qui sont faites dans ce cadre-là. Ça c'est une espèce carrément disparue de la nature qu'on ne retrouve plus que dans les jardins botaniques. Ça c'est à Glasnevin, donc à côté de Dublin. On les met parfois dans les frigos, ça c'est nos frigos à nous du jardin botanique de Lyon. Alors ça, je vais passer très rapidement puisque Geneviève va en parler. On a un autre agent du jardin qui rentre d'une expédition qu'elle a faite avec Geneviève et Tom Crote du Missouri. Donc là, ils sont devant un grand anthurium qui, semble-t-il, deviendra une nouvelle espèce. Geneviève nous le dira, je ne sais pas.
Puis alors, ce qui est très intéressant, c'est que les protocoles qui consistent à faire des herbiers, bien voyez, on faisait des herbiers au XVIe siècle, on faisait des herbiers au XVIIIe siècle. Ben aujourd'hui, quand on fait de l'exploration botanique, comme ce qu'a fait Geneviève pendant 2 mois, ben on continue de faire des herbiers, le protocole est toujours le même, et on a toujours besoin de papier journaux, sec, etc., etc. Voilà. 2 plantes qui sont en phase de... Une qui a déjà été décrite, Xanthosoma picambiense, et une autre, un clusia, la famille des clusiacées, qui est en phase de description. Bon, ça pose le problème des permis de collecte, on pourra en parler si vous voulez. C'est quelque chose d'assez compliqué pour nous. Puis alors, je sais qu'il y a des réfractaires dans la salle à ça, mais je pense que c'est important de l'évoquer. Et Serge Aubert était quelqu'un de très, très... très impliqué sur le sujet. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont à l'autre bout du monde. On a eu le cas avec notre agent à nous, David Cherberich, avec Geneviève et Tom Croft du Missouri. Aujourd'hui, on a Internet partout. Eh bien, il faisait parfois une découverte le matin. Il trouvait une nouvelle espèce, enfin, il trouvait une plante où il se posait tout un tas de questions. Le soir, il mettait en ligne une photo sur Facebook. Il y a la communauté des chercheurs du domaine qui répondait « Non, peut-être pas ci, peut-être pas ça, etc. » Et quasiment en temps réel ou à échéance de quelques jours, eh bien, des explorateurs perdus au milieu d'une forêt d'Équateur ou de Colombie eh bien, gardaient le contact avec leurs homologues et pouvaient, une découverte était à peine faite que 2 jours après, l'ensemble de la communauté scientifique partageait. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien, je sais pas. En tout cas, je voulais vous dire parfois comment ça se passait dans le cadre de certaines expéditions scientifiques. Voilà, donc tout ça, c'est un patrimoine. C'est le fruit de siècles et de siècles de découvertes botaniques. Donc là, on est à Eden Project, dans lequel ce patrimoine sert aussi aujourd'hui à sensibiliser le public sur un certain nombre de concepts, de développement durable, préservation de la biodiversité, etc. Voilà, puisque effectivement, quand on est dans certaines serres tropicales, eh bien, pour des gens qui ne peuvent pas voyager, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Voilà, donc il y a eu à travers le monde de très grandes serres qui ont été faites pour abriter des collections importantes. Et aujourd'hui, c'est en plus d'être des endroits qui font de la recherche scientifique et de l'horticulture, c'est également maintenant devenu de véritables endroits touristiques. Voilà. Et puis peut-être celle qui me plaît le mieux, c'est la serre de Eden Project, c'est en Cornouailles. Je finirai là-dessus. Aujourd'hui, dans le domaine de la recherche scientifique, et peut-être qu'on aura un débat là-dessus, il y a eu, pendant de nombreux siècles, des gens qui ont été explorés, découvrir, décrire, etc. Aujourd'hui, il y a beaucoup de projets qui sont des coopérations, c'est-à-dire que des scientifiques, avec des moyens financiers occidentaux, eh bien, vont dans des pays, mais cette fois-ci pour former les gens, pour participer à des véritables coopérations d'ordre scientifique ou de développement pour que, pour, comment vous dire ça, je cherche mes mots là, pour en tout cas, au-delà de la pure science et de la pure découverte, faire des coopérations qui vont beaucoup plus dans le domaine de l'entraide, de nourrir les populations, de recréer des forêts, enfin il y a tout un tas de programmes de coopération, on va au-delà de la simple découverte de nouveaux territoires. Et il y a beaucoup de gens qui font ce type de mission à travers le monde. Je vois Didier Roguet qui est au fond de la salle, à Genève, ils ont comme ça toute une série de programmes pour aller aider les gens dans différents pays du monde. Donc voilà, on fait de la sensibilisation. Et puis je voulais terminer là-dessus, c'est une phrase qui a été publiée la semaine dernière, enfin republiée la semaine dernière par Véronique Schaeffer du réseau Tela Botanica, et je sais qu'elle a déjà beaucoup tourné sur les réseaux et elle me plaît beaucoup. Dernier point que je voulais aborder, il y a un vrai questionnement aujourd'hui au 18e, 19e, ces grandes expéditions s'étaient réservées à des chercheurs des grandes institutions ou des pépiniéristes ou des mécènes ou autres. Aujourd'hui, tout le monde peut voyager, tout le monde peut faire des découvertes. Est-ce que c'est souhaitable, pas souhaitable? Je me suis amusé à les calculer, pas plus tard que la semaine dernière, que quand on prenait l'avion. Alors j'ai fait l'équivalent d'un Paris-Nouméa, j'ai été regardé. Donc les anciens avions, c'était à peu près 6 litres aux 100 km, 6 litres aux 100 km, par personne à bord d'un avion. Et aujourd'hui, avec les avions modernes, on est à 4 litres. C'est-à-dire qu'un passager qui fait 100 km, c'est 4 litres. 4 litres de kérosène. Je me suis amusé à regarder l'aller-retour, c'est 10 kg de carbone. La plupart des gens sont dans la salle et moi-même, on est des amoureux de la nature. On a envie d'aller découvrir. Est-ce qu'il faut qu'on le fasse? Est-ce que préserver, etc. Il y a un énorme discours sur la culpabilisation
À la fois, on aime la nature, on a envie d'aller à l'autre bout du monde pour la découvrir. Et en même temps, lorsqu'on va à l'autre bout du monde, on le culpabilise en disant qu'on fait le réchauffement climatique. Donc, dans le domaine des explorations botaniques, il y a un certain nombre de questionnements qu'on doit avoir sur le sujet. J'ai pas de réponse, mais en tout cas, ça fait partie des choses qui me sont venues à l'esprit au moment où j'ai eu envie de parler des explorateurs. Voilà. Merci de votre attention. Merci Frédéric.